Alors bonjour vous autres, ici Multitouching et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer eMovie sur iPod Touch 2G, 3G, iPhone 3G, 3GS. Donc je pense que vous connaissez tous eMovie, c'est une application pour Mac qui permet de faire des montages vidéo et récemment Apple a sorti une version pour iPhone, mais seulement l'iPhone 4 parce que c'est l'appareil qui a le plus de RAM et pour faire marcher cette application il faut énormément de RAM. Donc néanmoins on peut quand même l'installer sur iPod Touch, sur les iPod Touch, sauf l'iPod Touch 1G qui n'a vraiment pas assez de RAM et l'iPhone V1 non plus. Donc les premières générations d'iPod Touch et d'iPhone ne peuvent pas recueillir eMovie. Donc moi je vais vous montrer comment installer eMovie sur votre iPod Touch 2G, 3G, iPhone 3G, 3GS. Donc tout d'abord on va aller sur le site, sur cette URL. Ça c'est pour les iPod Touch 2G, donc le lien est en bas. Et pour les iPhone 3G ou 3GS, c'est le lien qui est là et il est également dans la description en bas. Donc vous téléchargez soit si vous avez un iPod Touch 2G, donc moi là je suis sur un iPod Touch 2G, donc moi je vais télécharger Filedud, sur Filedud. Si vous avez un iPhone 3G 3GS, faut télécharger sur TooShard, donc ce sera bien précisé dans la description. Donc là on entre la CAPTCHA A4E download. Ah, attendez, je me suis trompé. 56 G. Voilà, donc là j'appuie sur download. Sinon, ça met un peu de temps. Donc là ça va prendre 11 minutes, enfin ça peut prendre assez de temps en fonction de votre réseau wifi. Je peux vous faire attendre tout ce temps. Donc je vais couper la vidéo et on se retrouve dès que le téléchargement est fini. Donc là j'ai téléchargé quelque chose pour iPod Touch 2G, hein, pas pour les iPhones. Pour les iPhones, il faut aller en bas et cliquer sur Save File to your PC, click here. Faut cliquer ici. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, vous ajoutez cette source, donc modifier la plus. Et vous ajoutez la source repo.woowiz.net. Une fois que c'est terminé, vous allez dans catégorie et dans la loupe qui est là. Et vous tapez iMovie. Et là, vous cliquez sur installer. Alors moi, c'est écrit réinstaller parce qu'encore une fois, j'ai déjà tout installé pour que rien ne rate. Étant donné que c'est mes premiers tutos, j'improvise pas tellement. J'essaie d'être organisé. Donc voilà, installer. Donc vous l'installez. Vous pouvez aussi le mettre sur Cydia ou Rock. Hein. Donc ensuite, on va dans utilitaire et on clique sur eMovie. Et là, l'application va s'ouvrir. Et voilà. Donc là, vous voyez des photos de mon chien. Et voilà, vous avez une application. Donc voilà. Bon, là, j'ai refermé l'application. Donc maintenant, je ne pouvais pas vous montrer les fonctionnalités d'eMovie parce qu'il y en a pas mal, même si c'est pas la version complète d'eMovie qu'on trouve sur Mac. Donc, parce que sinon j'aurais dépassé le temps donné par YouTube, qui est de 10 minutes. Donc voilà, donc c'était Multitouching pour vous montrer comment installer eMovie sur son iPod Touch 2G, 3G, iPhone 3G, 3GS. À une autre vidéo, salut!